Le terrain. Merci madame Bagnier, monsieur Jonico. Oui, monsieur le ministre, nous ne sommes pas favorables à un service national universel. Cet engagement présidentiel part d'une intention louable, mais qui dans la pratique sera très difficile à généraliser en 2022 même en 2026 avec un coût financier du dispositif exorbitant. 2 milliards d'euros qui seraient mieux utilisés pour l'accueil et la réussite des étudiants. 30 000 étudiants de plus par an lors des cinq prochaines années. Nous considérons qu'il faut s'appuyer sur l'existant et conforter le parcours de citoyenneté qui a été instauré par la loi Égalité-Citoyenneté et qui prévoit la remise d'un livret civique aux collégiens en, lors de la remise des diplômes nationaux du brevet, qui permet de récapituler les engagements notamment associatifs des jeunes, mais que le ministre Blanquer n'a pas souhaité pour l'instant mettre en œuvre, et aussi avec l'étape clé du service civique. Pourquoi attendre 16 ans alors que le parcours citoyen doit démarrer dès le plus jeune âge. Vous évoquez le brassage social. Le rôle de l'Éducation nationale est d'assurer la mixité sociale scolaire, y compris dans le privé. Vous évoquez le décrochage. Les missions de lutte contre le décrochage scolaire, en lien avec les partenaires de l'Éducation nationale, mènent un travail de prévention efficace. Et le nombre de décrocheurs scolaires a d'ailleurs passé est passé de 130 000 à 90 000 en cinq ans, grâce à une détection précoce. Décrochage avant saison. Vous évoquez les bilans de santé. Ils sont déjà obligatoires à l'âge de 12 ans. Dans le cadre de la médecine scolaire en 6e, il reste à compléter par un second bilan en classe de 3e avant saison. Vous évoquez les gestes de premier secours et des réflexes en cas de crise. Leur apprentissage est déjà inscrit noir sur blanc dans le code de l'éducation nationale. Dès l'école, puis au collège, il existe une sensibilisation aux gestes qui sauvent et une formation notamment par le dispositif PST prévention et secours civiques de niveau 1, puis au lycée avec une formation euh, complémentaire. En ce qui concerne les activités euh, physiques et sportives, vous le savez, il y a l'éducation physique et sportive et le sport scolaire. On le constate, le SNU est redondant avec de nombreux dispositifs existants au sein de l'éducation nationale et avec le service civique Merci. mis en place depuis 8 ans, qui doit encore monter en puissance au-delà de 150 000 jeunes sans avoir à inventer une nouvelle usine à gaz.